En ce mois béni du Ramadan, le président du PDCI RDA, Tidiane Thiam, apporte son soutien à la communauté musulmane. Ce mardi 26 mars 2024, le directeur des cabinets du président Tidiane Thiam, Alain Cocodré, accompagné d'une forte délégation du PDCI RDA, a rendu visite à la communauté musulmane au siège du COSIM. Cette visite a été l'occasion de transmettre un message de soutien et de solidarité de la part du président du PDCI RDA, ainsi qu'un don financier dans ce mois de pénitence. La communauté musulmane a reçu également une tonne de sucre, 9 cartons de 15 bouteilles d'huile et 6 cartons de 18 boîtes de lait. Assalamu alaikum. Que la paix et les grâces abondantes de Dieu soient sur cette auguste assemblée qui nous reçoit. C'est avec une joie immense que j'ai l'insigne honneur de me tenir à côté de vous au milieu de la forte délégation du PDCI-RDA que voici, pour vous transmettre les salutations fraternelles du président Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, comme vous le savez, plébiscité à la tête de ce parti le vendredi 22 décembre 2023 à Yamoussoukro. Le président Thiam adresse à vous et à l'ensemble des guides religieux musulmans ses très chaleureuses félicitations pour votre implication active, remarquable et exceptionnelle au maintien de la paix établie par le père fondateur de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, comme la seconde religion des peuples Côte d'Ivoire. Le président du PDCI-RDA, votre frère Tidiane Thiam, lui-même de confession musulmane, percé et élevé avec rigueur dans cet environnement religieux, a tenu à vous manifester à son tour sa solidarité et son soutien en nous chargeant de vous faire des petits dons que je vais me permettre de citer. Vous avez d'abord une tonne de sucre, 6 packs de 48 boîtes de lait, à peu près 288 boîtes de lait, mais à ces dons en nature, il ajoute une enveloppe de 1 million de francs CFA en espèces. À travers ces modestes dons, somme toute très symboliques, le président Thiam veut traduire sa volonté ardente de vous soutenir et de vous encourager dans vos efforts de prière fervente en cette période de jeûne pour la paix, la cohésion en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Le geste du président du PDCI-RDA Tidiane Thiam a été salué par le cheikh Ayman Ousmane Diakité, président du COSIM, guide suprême de la communauté musulmane, ainsi que l'ensemble de la communauté. Au nom de toute la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, nous voudrions vous remercier pour ces gestes ô combien symboliques. De faire don dans le Ramadan, mais de quelle manière? Vous levez de haute personnalité, vous déplacez vers nous, venez faire ce don. Cette manière nous remplit de joie. Nos condoléances les plus attristées pour le décès du président Henri Bonaventure sont un deuil national pour l'Europe qui l'a joué pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les propos, les gestes, les actes du président Thiam vont impacter forcément la société ivoirienne. Parce que c'est un homme public. C'est pourquoi nous prions pour que Dieu inspire les hommes publics, pour que Dieu guide leur cœur, pour que Dieu guide leur âme, pour que Dieu guide leur intelligence, afin que chaque fois qu'ils vont dire une parole, que cette parole-là réconcilie. Qu'Allah fasse que, dans sa grâce,
et dans sa générosité de guider le président Tchad dans l'accomplissement des hautes missions que vous avez bien voulu lui confier. Et que son travail, sa réflexion, sa parole, ses actions aident la Côte d'Ivoire à aller vers plus de bonheur, plus de paix, plus d'entente pour les citoyens. Fasse Dieu que dans votre famille politique, que Dieu vous donne cette bonne inspiration. Vous travaillez toujours comme le président Afolboyen nous a laissé le bon souvenir pour l'entente, la cohésion et le développement de ces pays.